Bienvenue, ici War Survivor Chris Vegas qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de Gran Turismo 7 sur PS5. Je vais continuer les trophées. C'est parti. Alors, voyons voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ok. D'accord, on verra plus tard. Chaque trophée en son temps. Ok. Alors, voiture. Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Nouveau. Choix spéciaux. Bon. Alors, voiture routière, en savoir plus. Ok. Donc ça c'est une nouvelle, d'accord. Un stock limité. Ok, Corvette. Ok, 300. Ok. Pas encore obtenu. Voiture centrale. C'est bien tout ça. C'est même très 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 bien. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, on va pouvoir continuer. Et on va économiser un peu. Alors, les circuits mondiaux. Petit à petit. Dans Europe, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Résultat, ici premier, ok. On est premier ici aussi. On est premier. Alors, le Sunday, la Cup, une voiture routière. Alors, en Océanie, on a même mis un nouveau circuit. Et résultat passé, ok. Donc là, résultat passé, ok. Récompense, on a 5 tours. Là, on a une voiture, il faut une voiture de course, ok. Voiture sport. On n'a pas de pneus sport. Alors, catégorie G4. Donc, on va pouvoir continuer plus tard. Donc, il va falloir changer tout ça. Alors, les voitures. Qu'est-ce qu'on a comme voiture? Pas celle-là, non.
au garage. Qu'est-ce qu'on a au garage là comme voiture? Alors, une voiture de course. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre? Bon, il faut une voiture de course. Non, pas ça. Alors, changer de voiture. On va prendre celle-là. Type de voiture. Alors, paramètres de la voiture. Inter turbo. Hybride. On verra bien avec cette voiture-là ce que ça va donner. Si c'est possible de faire la course. Alors, championnat mondial. Ok. Ah, on a une voiture de course. Ben voilà. Oh, 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 oh. Ok, donc on ne peut toujours pas. Catégorie G4. Paramètres de la voiture. Alors, dur, 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 détaillé. En G4. Catégorie G4. TP 630 ou moins. Et là-dedans, TP 500 moins. D'accord. Donc, voiture d'occasion. Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Alors, voiture routière, 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 routière, routière encore, routière encore, routière, 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 encore routière, routière. Il n'y a que des routières là-dedans. Alors, garage. Au garage, au garage, au garage. On verra plus tard. Changer de voiture. Alors, type de voiture routière. Classé. Date d'acquisition, pays, constructeur, catégorie. Distance parcourue, utilisation récente. Catégorie, changer de vie. Alors, aspiration, distance, catégorie. Non. Non, 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 non. Puissance. Puissance. 17 chevaux. Catégorie. Puissance. Alors, la Fiat. Type de voiture routière. Une pièce, cadeau, pas de cadeau. D'accord,
On va continuer tranquillement. Tranquillement, tranquillement. On va aller à l'atelier de préparation. Sportive. D'abord, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Océanie, ok, Japon. Alors, course. Catégorie G4. Voiture de course. On va voir ça ensemble. Leur atelier de préparation. Dur. Alors, sport. On va mettre des sports durs. Ok, on a acheté des sports durs. Alors, ensuite, informatique sport. On va la mettre. Voilà. Alors, silencieux. On va mettre le silencieux, les plaquettes de frein, ok. On va un peu améliorer tout ça, filtre à air, ok. Réduction de poids, suspension classique. Pourquoi pas. Ok, on va voir ça ensemble. Ce que ça va donner ensuite dans la course. Ok. Donc là, c'est pas une voiture de course. Bon, on va rentrer. Et ça nécessite des règlements si on ne possède pas le pneu, mais c'est ça, vous pouvez les acheter et installer dans la télé d'opération. Alors les pneus de course. Les pneus de course dans l'atelier de préparation. Alors, on va voir ça. Le sport. Réduction de poids. J'ai les freinages à 3000. Alors, les sports, course, semi-course. Acheter, en savoir plus. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre maintenant? On va aller au garage. Pour voir ce que tu vas nous réserver. Alors, paramètres de la voiture, pièce de préparation. Pas de pièce de préparation. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter maintenant? Voiture d'occasion, d'accord. Présentation. Alors, confort du sport. Les pneus sport sont en plein confort avec une maison super. J'ai des pneus plus durs à l'installer du métier pour faire la taille et prendre son sport. Oh, commande. Ok. Sport dur, confort. Sport tendre. Ok, donc là, on va voir ça ensemble pour la course. Alors, Europe, étape passée premier. Course, j'ai été changé de voiture, ok, drift, contre la montre.
pied dans les premiers. Le résultat passé. Paramètres de la voiture. Paramètres détaillés. Sport dur. Alors, paramètres. Finalement, confort dur. Course dure. Course dure. La télé de préparation. Sport dur, confort tendre. Parce qu'il y a encore un peu de temps pour gagner avec son personnel. Donc, ça, je peux alors gagner, avoir de l'expérience. Ah, tu veux que je gagne de l'expérience? Ok. Si c'est demandé si gentiment. Tu veux de l'expérience? On va avoir de l'expérience. C'est ta première. Alors, toi, qu'est-ce que je peux avoir ici? Sport, ok, Mini Cooper. Catégorie, changer de voiture. Récompense 30 000. Premier. Course. 105, c'est ok. Donc là, on était premier. Premier. Non, pas celui-là. Mais celui-là, on peut le faire. Pour la Mini Cooper, ok, on va changer de voiture. Si c'est demandé, si gentiment. Type de pneus sport. Paramètres de la voiture. Paramètres. Confort. Type de pneus sport. Décidément. Alors dans l'atelier, type sport. Sport moyen. Sport dur, sport moyen, sport tendre. On va acheter des sports. Si tu veux des sports, on va avoir des sports. Alors, circuit, on va pouvoir en faire une. Un circuit. Pas celui-là, non. Mais possible, celui-là. Voilà, on a du sport. On va pouvoir faire cette course. Si on est premier, on a 30 000. Allez, c'est parti, on va le tester. On va faire de son mieux. Alors, démarrer. Voilà. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on roule. On roule. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Et qu'est-ce que tu me fais là? Allez, il faut que je vous double tous. Allez, on roule. Allez, on fonce. Pas mal. Doucement. D'abord, on va modifier le paramètre. On va quitter. Paramètre voiture. Non. On va quitter. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Alors, option difficulté de la course. Récompense des courses.
précieux qui va mettre celui-là, le facile. Ok. On va essayer en facile. Ça ne m'affectera pas la récompense. Ok, on va pouvoir continuer dans cette course-là. Allez, on va faire la course ensemble. Et les récompenses sont pas de problème. Ce sera toujours les mêmes les récompenses. Allez, on va doubler tout le monde. Si c'est possible. Allez, doubler tout le monde. Allez, on roule tranquillement. Allez, on double tout le monde. On double, on double, on double, on double. S'il te plaît. Alors on accélère. Il y a deux tours. Deux tours, deux tours, deux tours. Allez, on double tout le monde. S'il te plaît. Oh non. Ah, c'est dommage ça. Allez, on double. On double tout le monde. Ah, dommage. Trop dommage. Allez, on va quitter quand même. On va essayer autre chose. Ah, une récompense pour avoir terminé un marathon de pilotage. Ok, on a une récompense. On va aller voir ce que c'est. Ok. On va voir dans le garage ce qu'on a eu. Alors, garage, qu'est-ce qu'on a comme récompense? Il y en a peut-être même plusieurs. Les recevoir. Allez, donne-moi ce que tu peux et ce que tu veux. Ah ben voilà, ça c'est bien ça. C'est très très bien la récompense. 5000, pourquoi pas. C'est un beau cadeau. Alors, changer de voiture. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme voiture? Alors, la quoi? Et on va essayer une course. On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Voyons voir qu'est-ce que je vais pouvoir prendre. Allez. On va pouvoir aller à l'atelier. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter là maintenant? On fera plus tard peut-être. Alors, là on est dans l'aérodrome, ok. Donc pas les courses. Allez.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Alors, les États-Unis. Course personnalisée, type de course, endurance, grip de peur, boost, faible, fort, dommage, consommation de carburant. x50. On va essayer comme ça. Ok, on va pouvoir commencer le stage. Alors, nombre de tours. Alors, un nombre de tours 10. Allez, on va faire un maximum. On va faire un maximum de tours. Récompense 320 tours. C'est juste pour le trophée. Réservoir vide. A subi une panne de carburant lors d'une course de consommation de carburant. Alors démarrer la course. Allez, on y va. Allez, on va faire un maximum. Allez, position 10 sur 20. Allez, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Allez, on fonce. Tranquillement. Allez, on fait de notre mieux. On a 100 tours. Allez, on fonce. On fonce. On use le carburant. Allez, on vide tout. T'as vu comment ça vide? Vite. On a au deuxième tour. Il y a déjà un petit peu qui est enlevé. Allez, on fonce. Et si on n'a pas le temps, on n'aura pas le temps. C'est bon. On fasse de notre mieux pour vider le carburant. Allez, on se lance. On fonce. Allez, donne ton maximum. S'il te plaît. Allez, on va vider le carburant. Allez, doucement. Doucement. T'as vu tout ce qui est enlevé en carburant? C'est intéressant. Allez, on fonce. On donne tout ce qu'on a. Pour doubler tout le monde. Allez, on fonce. Ouh là là, dommage. Allez, on va avoir une panne de carburant. Réservoir vide, pas très longtemps. Allez, on fonce. On fonce. Alors, allez, on fait une panne de carburant. On a bientôt le carburant vide. Dans un instant,
On va voir le carburant vide. Ça prend quelques secondes. Quelques minutes plutôt. Allez, on est au sixième tour. Allez, doucement. Doucement. Le carburant va bientôt se vider. Allez, on y croit. À la panne de carburant. Dès qu'il y aura le E au fond, sur la gauche, avec la barre verte, laissez passer les voitures, drapeau bleu, laissez passer les voitures, drapeau bleu, laissez passer les voitures, drapeau bleu, ok. Là, on nous fait le signe qu'on peut aller dans le stand. Drapeau bleu, laissez passer les voitures, drapeau bleu, laissez passer les voitures, drapeau bleu. Allez, on peut avoir un trophée. Laissez passer les voitures, laissez passer les voitures. Ok. Ce sera le signe pour qu'on peut aller au stand. Allez, on peut y aller plus tard. Laissez passer les voitures. Allez, on fonce. Et on va faire une panne de carburant dans un instant. Laissez passer les voitures. Ah, c'est parce qu'il y avait une voiture qui rentrait au stand. Ok, on va pouvoir rentrer ici. Allez, on va aller au stand. Ok, ne pas changer confort, moyen, ne pas changer, on peut changer, on va changer. Ok, ne pas la retravailler, on attend, ne pas redétailler. Allez, on s'est arrêté, on change les roues. Et ensuite, trophée, nouveau pneu obtenu. Trophée, nouveau pneu obtenu. Donc, pour le trophée, nouveau pneu. Alors, nouveau pneu. À la base, c'est pas vraiment le trophée qu'on a cherché, mais c'est pas grave. Nouveau pneu. Alors, le trophée, nouveau pneu. Ah, oh, le voici. A effectué un arrêt au stand lors d'une course et a changé de pneu. Si tu as des questions, n'hésite pas. Reste passionné dans ce que tu fais. Fin de la vidéo. Ok, ne pas changer confort, moyen, ne pas changer, on peut changer, on va changer. Ok, ne pas la retravailler, on attend, ne pas redétailler. Allez, on s'est arrêté, on change les roues. Et ensuite, trophée, nouveau pneu obtenu.